Vous vous souvenez de l'endroit, les amis? L'année dernière, j'ai fait pas mal de vidéos le matin quand je suis parti au travail. Désolé, ma voix, ça s'améliore pas. Donc, super journée de neige, hein, comme vous voyez. De la neige partout. Le petit bonhomme là, de la fontaine, là, il est couvert de neige. Le parc, pour les enfants, là, le parc Moomine, il est plein de neige. Et le parc de la ville, super plein de neige. Je vous montre de l'autre côté. La caméra frontale en fait n'est pas très très bonne au niveau de la qualité, donc c'est plus sympa de vous faire des vidéos de ce côté là quoi. Vous ne voyez pas. Vous avez vu que j'étais moi il y a quelques secondes. Et là c'est waouh, impressionnant. Ça glisse, je vous en parle pas, c'est de la glace en dessous là. Je suis déjà tombé deux fois, tordu le genou et le poignet. Parfait. C'est une bonne année 2019 qui commence. Allez, je continue ma progression délicate sur la glace couverte de neige. Voilà, paysage magique. Une neige incroyable. Il en est tombé beaucoup, beaucoup cette nuit. Comme vous pouvez le voir, voilà, regardez, les bosquets. Les arbres. Incroyable. Les arbres sont lourds de neige, quoi. Donc il va falloir que je la retire. Pour pas que s'il gèle très fort, tout d'un coup les branches cassent, quoi. Mais c'est assez magique, là, en ce moment. Juste là, maintenant, avant que si le vent souffle, bien sûr, tout va partir. Alors, petite vidéo de la vie en Finlande. Donc là, je vais démarrer la voiture qui n'a pas démarré depuis au moins une semaine. Comme vous pouvez le voir, on est recouvert de neige en Finlande. D'ailleurs, je peux vous montrer sur la voiture, il y a combien ? Plus de 10 cm. Hein. Ouais, ça fait quand même une sacrée bonne épaisseur. Ouais, ça doit faire une 10-15 cm de neige. Bon, la voiture, bien sûr, c'est un bloc de glace. Donc on va pas pouvoir démarrer ça instantanément. Alors ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que je l'ai branché. Vous voyez les branchés là, à l'électricité, ce qui fait que dans le moteur, il y a tout un système qui réchauffe le moteur. L'habitacle intérieur donc est chauffé pour le moment. Donc quand je rentrerai dans la voiture, ce sera bien chaud. Surtout j'aimerais bien que les portes se dégèlent parce que elles doivent être bien coulées. Et après, je vais démarrer la voiture, la faire tourner un petit moment avant de pouvoir enfin rouler avec. Voilà, voilà, notre vie au quotidien en Finlande. Quelque chose que la majorité de vous en France et ailleurs ne connaissez pas, mais tous ceux qui habitent dans les pays froids savent très bien. Enfin, en France, bien sûr, il y a les gens qui habitent dans les Alpes, les Pyrénées, et tous ces endroits où il fait bien froid l'hiver, sont confrontés à ce genre de problème. Et en fait, les voitures en France ne sont pas équipées avec ce système de chauffage. Ici, on a quand même des températures qui descendent à moins 30. Et bon, parfois beaucoup plus basses encore. Donc là, les voitures ont vraiment du mal à démarrer le matin, etc. Voilà, c'était pour le petit tuto démarrage de voiture en Finlande. Là, le vent est en train de se lever. Enfin, se lever. Ce qui fait qu'en fait, la neige tombe un petit peu des arbres. Mais c'est quand même assez joli encore, hein, si vous pouvez voir. Des paysages extraordinaires. Il fait moins 7, mais c'est pas un froid glacial comme de temps en temps. Je vous ai pris en vidéo vous en disant qu'il faisait super froid. C'est le vent surtout qui fait que il fait super froid. Là aujourd'hui, il fait moins 7. J'ai pas de gants là pour filmer. Et puis bon, je ressens pas tout à fait vraiment le froid. Pourtant, je sors de ma man's flu là. Mais ça va beaucoup mieux. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Et voilà, depuis mon studio d'enregistrement, Pascal de Finlande. Et oui, ça a démarré. Bon, il fait moins 5 là, ça réchauffe un petit peu. Et donc là, comme je vous ai expliqué, nous avons le chauffage à mettre dans les sièges. Passagers, conducteur, puissance 2, puissance 1. On va mettre puissance 2 là. Voilà, je vais déneiger tout ça, faire chauffer, puis dans quelques minutes... je pourrais prendre la route.
À tout de suite. Voilà, me voilà sur le parking du supermarché. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez parlé des gros tas de neige qu'on voit là-bas et ici. Là. Et que, en fait, il y avait certainement des choses à trouver dans les tas de neige. Mais regardez, je sors de ma voiture. Et voilà ce que je trouve par terre. Attendez, voilà. Alors ça, en fait, c'est une boucle d'oreille, il me semble. Incroyable. À vérifier si c'est de l'or. Ce serait assez incroyable. Non, c'est bien léger. Hein. Ouais, voilà, hein. Comme quoi, sur les parkings de supermarchés. Donc les gens retirent leurs bonnets, retirent leurs gants. Donc on trouve tout un tas de choses. Il suffit de regarder par terre, mais ça, les détectoristes regardent toujours par terre. Allez, à plus les amis. Une belle trouvaille pour aujourd'hui.